Welcome to the Women's Forum Global Meeting, and this is once again the 18th edition, I mean. And of course, our theme is quite simple and it is quite clear: change, education, education for change. Now, I'm promising you, I am flipping the script. You see, I've changed. Earlier on, I came in my royal outfit, of course, representing Nigeria in South Africa. And of course, I come from the Temple Kingdom. I am a descendant of the House of Mandela. And believe me, you, we are a royal blood. And when we fight like a royal blood. So thank you very much. So I'm going to flip the script. And I would like to welcome on stage Her Royal Highness, Maria Theresa of Luxembourg, together alongside with Chekeba Hachemi, the strategy and the philanthropy advisor to Her Royal Highness, the Grand Duchess of Luxembourg, for the session titled Stand, Speak, Rise Up. Let's give the Her Royal Highness a round of applause. Bonsoir. Good afternoon. Bonjour. Est-ce qu'on lance la vidéo? Est-ce que oui? C'est, on commence à voir un petit aperçu de Stand, Speak, Rise Up peut-être et les actions de Son Altesse Royale. I come from a battlefield filled with death, terror, and violence. There was nothing that I could do. Five more men came. He took me to an abandoned house and he raped me. There are millions of women and girls who will never be heard, seen, supported, let alone acknowledged. Para crear terror. We are here to demand your solution. So much for the people who are suffering. I'm living in the most privileged way. I have to help those who really are living the worst situation. Thank you.
cause des femmes, c'est avant tout défendre un humanisme universel en travaillant pour un avenir de justice et de paix. Et nous avons amené à la lumière un problème dont même les autorités onusiennes n'avaient pas toujours conscience. Surtout une femme qui est engagée dans les combats internationaux. Ces femmes exceptionnelles ont des messages forts à nous délivrer. Et j'aimerais que nous nous en fassions le relais, car elles ont besoin de notre solidarité pour se remettre debout. Votre Altesse Royale, vous préférez que nous vous appelions Maria Theresa de Luxembourg, tout simplement. Et moi, je vais reprendre la phrase. Hier soir, nous avions le conseil d'administration de Stand Speak Rise Up et beaucoup de nos amis journalistes et fondations, etc., qui sont venus nous voir parce que nous avons cette semaine avec nous nos survivantes qui viennent un peu de partout. Et j'aimerais reprendre cette phrase d'une des personnes, des journalistes qui disait « Comment ça se fait qu'en tant que toutes les premières dames, vous ne vous attaquez pas à des sujets beaucoup plus légers ?» Les sujets, on vous attend. Malheureusement, aujourd'hui, comme première dame, on les attend sur des sujets légers, non pas sur un sujet aussi grave que le viol comme arme de guerre, qu'on aurait tellement voulu que ça ne soit pas d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sujet grave et comment vous arrivez en tant que première dame d'un pays européen à vous attaquer à un problématique et un fléau aussi terrible que l'actualité nous démontre chaque jour? J'ai toujours été convaincue que plus on est dans une position de lumière et plus on a une responsabilité. Et une responsabilité justement, non pas vis-à-vis de ce qui est plus facile, disons, mais justement la responsabilité, parce qu'on a cette visibilité, d'attaquer les thématiques que personne ne veut défendre. Ça, j'en suis profondément convaincue. Et quand j'ai rencontré le docteur Mukwege, j'étais bouleversée par ce qu'il a dit. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Je lui ai demandé de venir me voir le lendemain après une conférence que j'avais entendue. Et je lui ai dit, mais le problème est si terrible, on n'en parle pas. C'est un tabou. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et il m'a dit, j'ai un groupe de survivantes du monde entier. Est-ce que vous pouvez leur donner une voix? VOIX, est-ce que vous pouvez les aider à être connus? J'ai dit, ça, je peux faire. C'est pour ça que je suis là, à la place où je suis. Là, je peux servir à quelque chose. Et donc, nous avons fait ensemble le forum de 2019 avec votre aide, Cherchez Keba, qui a été un grand succès. On avait 3 prix Nobel de la paix. Nous avions 50 survivantes. Et il y a beaucoup de personnes ont dit qu'il y avait un avant et un après de ce forum, puisque j'ai tenu à ce que les survivantes soient le cœur de ce forum. J'ai fait énormément de conférences internationales et des conférences dans lesquelles ce sont toujours les spécialistes qui parlent. Et avec tout mon respect pour les spécialistes, je considère qu'il faut d'abord donner la parole aux premiers concernés, aux premières concernées, celles qui sont les victimes, parce qu'il faut arrêter de les infantiliser et considérer qu'elles savent mieux que personne ce dont elles ont besoin et comment résoudre leurs problèmes. Et donc, elles ont été le cœur de mon forum. Et elles ont toutes pris la parole, elles ont toutes été partie prenante des workshops, elles étaient vraiment la voix de ces 2 jours où il y a 2000 personnes qui ont participé à ces journées. Et elles m'ont rendue consciente d'une problématique que même les Nations Unies n'avaient pas réalisée, c'est le sort des enfants nés du viol. Personne ne s'occupait du fait que ces enfants n'ont aucun statut, aucune reconnaissance, aucun droit. Ils sont des non-existants. Et donc, j'ai porté cette demande aux Nations Unies et Pramila Patel, une représentante des Nations Unies qui nous accompagnait à ce forum, a fait voter une directive pour ces enfants. Et une résolution, quelques mois après votre forum. Une résolution, exactement.
Et alors aujourd'hui, suite à ce forum en 2019, vous êtes dit quoi ? Je n'aime pas les one-shots, j'aime bien votre phrase quand vous dites « je n'aime pas les one-shots ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc nous avons créé l'association Stand, Speak, Rise Up. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, là aussi, pourquoi une première dame ne se contente pas de faire des conférences de temps en temps pour nous montrer un problématique ? Et pourquoi vous êtes engagée pour que ça continue à travers l'association ? Parce que il y a quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous l'avez dit, Chekeba, effectivement, je n'aime pas les one-shots. Je crois qu'on perd sa crédibilité. C'est très louable de faire un one-shot, mais ça ne suffit pas. Surtout quand on parle d'une problématique pareille. Et là, j'ai quand même tissé un lien. Et je fais un appel à nous toutes ici aujourd'hui, qui sommes dans des places extrêmement privilégiées, de vraiment d'avoir le courage et d'oser aller vers ceux qui sont dans le plus grand état de souffrance et de les approcher, de leur parler, d'essayer de les comprendre et de savoir ce qui se passe. On reste souvent trop loin des personnes et on a un peu peur et je trouve que c'est une grande erreur. Moi, cette semaine où j'avais invité les 50 survivantes à venir à Luxembourg, c'était pour qu'elles tissent du lien entre elles, pour qu'elles s'entraident, mais aussi pour que nous fassions connaissance. Et une fois qu'on a fait connaissance et que chacune d'elles a eu la confiance de me raconter son histoire, ce qu'elles ne font pas normalement. J'étais tellement bouleversée et il y a un lien entre nous, on est devenues des sœurs et je ne pouvais pas les laisser tomber. D'où la création de notre association Stand, Speak, Rise Up, je vais laisser Chekeba maintenant, je vais vous passer la parole pour que vous en parliez de toutes les actions que nous faisons avec elle, mais pour les accompagner justement dans leur chemin de reconstruction. Alors Stand, Speak, Rise Up est une ONG qui a été créée à l'issue du forum Stand, Speak, Rise Up en 2019. À l'initiative de Son Altesse Royale, la Grande Duchesse de Luxembourg. Nous sommes trois cofondateurs avec Stéphane Bern, moi-même, auprès de Son Altesse Royale, mais surtout nous avons un conseil d'administration qui est avec des vrais experts. Vous n'avez pas voulu réunir autour de vous ce qu'on appelle les people, mais plutôt les experts du sujet. Donc nous avons les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, nous avons le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les violences faites aux femmes. Nous avons des personnalités internationaux, des personnalités au niveau international qui représentent cette cause, mais nous avons aussi les survivantes dans ce conseil d'administration de cette association, parce que j'aime beaucoup votre phrase quand vous dites « nothing about us without us », et les survivantes, pour nous, les femmes, rien sur elles sans elles. Juste pour vous raconter la petite histoire, comme j'ai commencé, hier nous avions notre conseil d'administration annuel, et elles sont là pendant une semaine à Paris avec nous. Elles passeront, j'espère, vous voir ici au Women's Forum, vous les rencontrerez, Tania, Olena et bien d'autres, et parce qu'elles sont le cœur de notre sujet, et c'est elles qui nous donnent tous les projets qu'on a besoin de mettre en application sur le terrain. Et donc Stand, Speak, Rise Up a deux volets de travail. Le premier volet, ce sont des actions concrètes. Parce que Maria Theresa de Luxembourg, avant de s'attaquer aux problématiques de viol comme arme de guerre, était aussi une des premières personnes, il y a plus de 25 ans, à promouvoir le microcrédit pour les femmes au Luxembourg et à faire connaître le professeur Younous, le prix Nobel de la paix. Décidément, vous en avez beaucoup. Comme disait Stéphane Bern, maintenant c'est pour vous le prochain. Professeur Younous, quand il parlait de microcrédit pour les femmes, personne ne le prenait trop au sérieux. Et c'est Maria Theresa de Luxembourg qui l'a fait connaître en Europe, etc., pour parler de ça. Donc c'est la problématique de la pauvreté et de l'indépendance économique des femmes dans le monde. C'était déjà son dada, comme on dit. Et donc Stand, Speak, Rise Up vient en réparation, après avoir des survivantes, une fois qu'elles ont eu les réparations physiques, souvent par le professeur Mukwege que vous connaissez tous, qui a failli être avec nous, mais malheureusement, pour des problèmes de sécurité, il n'a pas pu se déplacer pour venir ici aujourd'hui. Donc, ces femmes qui ont eu leur réparation physique, il faut que vous sachiez, elles sont souvent excommuniées.
Le viol est pratiqué dans les villages, et on l'a vu malheureusement récemment, pour détruire toute une communauté. Et donc ces femmes sont excommuniées, elles n'existent pas, elles n'ont plus d'identité. Une fois qu'elles ont été réparées physiquement, si elles ont cette chance, il faut les aider pour leur indépendance économique. Donc nous avons des projets très concrets au sein de Stand Speak Rise Up. C'est d'acheter des lepins de terre pour ces femmes qui souvent n'ont pas d'identité. Ça permet de construire une maison pour elles, de donner une sécurité pour leurs enfants. Les enfants nés du viol, votre thématique si important, c'est l'éducation de ces enfants et construire des maisons d'espoir un peu partout. Et là, quand nous parlons, on n'a pas la carte, mais vous verrez la carte tout au long de l'année, la Women's Forum, et dans les bases de données, vous allez recevoir toutes ces informations parce qu'on ne va pas vous lâcher. Et vous allez voir malheureusement la carte du monde où ce fléau nous concerne tous. Ce n'est pas juste quelques pays africains, ça nous concerne de plus en plus, et on l'a vu le 7 octobre dernier. Donc Stand Speak Rise Up, ce sont des actions concrètes pour aider ces survivantes pour retrouver leur dignité au sein de leur communauté et la dignité des enfants. Et le deuxième volet, pas les moindres, c'est le volet plaidoyer. Parce que quand on a la chance, moi qui suis à la tête d'une ONG depuis 30 ans et qui m'occupe de l'éducation des filles et des Afghanes, mais quand on a la chance d'avoir une présidente fondatrice qui est une première dame, croyez-moi que sa voix porte plus et aussi toute sa force. Donc l'autre volet de Stand Speak Rise Up, le plaidoyer, c'est quoi? C'est pour faire connaître cette cause, d'être là parmi vous, mais pas seulement, d'interpeller les chefs d'État comme vous le faites, d'interpeller les Nations Unies sur ces questions de viol comme arme de guerre et de ce corps des femmes qui devient automatiquement le champ de bataille partout où il y a des conflits. Et c'est ça que vous le dites récemment. Pareil, je sais que ça vous rend très triste quand vous parlez des événements récents en disant « j'aurais tellement voulu que ça ne soit pas à la mode, mon sujet ». C'est une catastrophe. Quand nous avons commencé en 2017, déjà à préparer le forum qui a eu lieu en 2019, et depuis, nous n'avons jamais pensé que la thématique allait augmenter, gonfler, que la problématique allait devenir de pire en pire. Les événements de ces dernières années, que ce soit en Ukraine ou en Israël, c'est une monstruosité ce que nous sommes en train d'entendre. Et on a l'impression qu'on est dans un crescendo de la problématique. Au moins, on en parle. On en parle. Et je dis toujours, si on ne peut pas arrêter la guerre, au moins faisons tout pour arrêter le viol comme arme de guerre. Vous parlez beaucoup aussi de tout ce qui va avec le viol. La torture et tout ce qui va sur... Oui, c'est vrai, chez Keba, parce qu'on a tendance à oublier, et ça je l'ai appris avec le docteur Mukwege et avec tous ceux qui s'occupent de la thématique, c'est que le viol est déjà une torture en soi, bien sûr, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que le viol est accompagné d'humiliations extrêmes et d'autres tortures, de tortures terribles. Et donc, il faut toujours dire viol et torture en plus, parce que ça ne s'arrête pas simplement à cet acte d'horreur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous continuons comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient vous savoir aussi, est-ce que vous, au quotidien, c'est une problématique naturelle pour une première dame européenne? Est-ce que au quotidien, on vous soutient de vous attaquer à ce fléau qui nous concerne tous et toutes? C'est compliqué. Je n'ai pas toujours été comprise ni soutenue. On a considéré que c'était une problématique qui ne sied pas forcément à une première dame, encore moins si elle appartient à une des quelques monarchies européennes. Je vous avoue que moi, depuis que j'ai connu mon mari, bien avant notre mariage, nous étions étudiants en sciences politiques. Et ma passion a toujours été le domaine humanitaire. Donc ce n'est pas en me mariant, même avec un prince héritier, que j'allais changer. Heureusement, mon mari le savait. Et il me soutient à 100%. Et alors aujourd'hui, on a... moi je sais, alors pour la petite histoire, je sais que vous êtes humble, vous ne voulez pas le dire, mais moi je peux le dire, à quel point au quotidien c'est compliqué de promouvoir les actions de Stand Speak Rise Up. À quel point c'est compliqué d'avoir des financements, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent pour aider ces survivantes, encore plus dans votre situation, où les gens ne comprennent pas que vous êtes une ONG et qu'il faut aider cette ONG, il faut aider ces survivantes. Et je sais aussi à quel point c'est compliqué pour vous, ou à quel point c'est important de le rappeler dans les événements comme le Women's Forum,
où on n'a rien à gagner, en fait, rien n'est acquis et tout est fragile, ou même en tant que première dame, on ne s'attend absolument pas à ce que vous attaquiez un fléau comme ça, et qu'au contraire, on vous attaque régulièrement parce que c'est un sujet pas assez léger et que vous êtes tellement mieux avec vos bouquets de fleurs. Et je voudrais rajouter à ça que c'est intéressant lorsque nous avons commencé toutes les deux à aller chercher de l'argent, à chercher des fonds et à chercher de l'aide, nous nous sommes souvent heurtés à un refus, même si c'est moi qui demandais l'aide, parce qu'on me disait mais nous ne voulons pas être associés à l'image de notre société ou de notre banque ou de notre... Aujourd'hui nous avons des banques et des sociétés qui nous aident, hein, mais au début on me disait mais c'est une image à laquelle nous ne voulons pas être associés, le viol comme arme de guerre, madame, même si c'est à travers votre personne. Donc ce n'était pas gagné, ce n'était pas facile. Et alors, ce qu'on a fait aussi dans le cadre de Stand Sweet Close Up, c'est que nous nous attaquons aussi aux problématiques des femmes qui subissent de violences terribles, en règle générale. Ceux qui me connaissent savent que je me bats pour les femmes afghanes depuis plus de 30 ans, pour l'éducation des petites filles. Aujourd'hui, la situation d'Afghanistan, c'est le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes dans le monde. Et pourquoi Stand Sweet Close Up se met aussi aux côtés des femmes afghanes, même si ce n'est toujours pas politiquement correct? C'est la chose la plus évidente et la plus naturelle du monde, puisque nous parlons de 28 millions de femmes et de filles qui sont, comme vous le dites souvent, Chekeba, emmurées vivantes, et que nous n'entendons pas, sur le plan international, suffisamment de voix s'élever, ni d'action pour dire « ça suffit ». Et je fais un appel là aussi particulièrement à toutes les femmes. Nous sommes quand même, pour le moment, les plus nombreuses sur la planète. Et je pense qu'il y a des fois où nous perdons une énergie énorme à ne pas nous rassembler pour dire à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas oublier ces femmes. Alors on va prendre aussi les 15% d'hommes, parce qu'il paraît qu'il y a 15% d'hommes au Women's Forum, et j'espère que l'année prochaine on sera à 50-50, parce que ça suffit, mesdames, de dire toutes nos problématiques entre nous. Maintenant il faut que les hommes, vous soyez au courant de ce que nous vivons au quotidien pour être ensemble beaucoup plus forts. Donc le message, alors ici pour la salle. Avez-vous un message pour toutes ces femmes et ces hommes à la tête des grandes structures, pour toutes les problématiques que vous défendez? Ben, le message, c'est de nous rejoindre, de nous aider de la manière que vous voudrez, par l'action, de quelque manière que ce soit, de nous aider à mettre fin à ces violences systématiques qui passent sous silence. Et je pense que vous avez beaucoup à dire aussi, Chekeba, encore comme message. Mais écoutez, moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt vous raconter une petite anecdote, une histoire, parce qu'on aurait pu l'emmener avec nous et vous aurez pu parler pendant des heures de toutes nos survivantes. Mais figurez-vous que Tatiana est une jeune femme qui a été réparée plusieurs fois par le docteur Mukwege, qui a été violée plusieurs fois depuis sa tendre enfance. Tatiana est venue en 2019 à Luxembourg parmi les 50 survivantes. Et Tatiana pouvait à peine regarder dans les yeux les autres femmes. Aujourd'hui, nous vous ferons passer la petite vidéo. Tatiana est avec nous cette semaine à Paris. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est Stand Speak Rise Up. C'est un peu pour vous raconter les choses concrètes, parce que je sais que vous avez tous besoin de comprendre concrètement. Tatiana, cette semaine, lui a fait un bien fou, surtout auprès de vous, parce qu'elle est rentrée en disant « Je suis devenue ambassadrice de la Grande-Duchesse de Luxembourg pour toutes les autres survivantes de Kivu, au Nord, Sud, tout au RDC. » Je ne sais pas s'ils savent en Afrique ce qu'est une Grande-Duchesse de Luxembourg, mais ça ne fait rien. Oui, mais n'empêche qu'elle est venue avec ses photos, etc. Elle est devenue ambassadrice. Elle a monté ses entreprises d'agriculture et de pisciculture pour cultiver, et en expliquant que toute la réparation et tout l'aspect psychologique de l'agriculture, c'est aussi une réparation mentale de toutes ces femmes. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise où elle a embauché plusieurs centaines de survivantes. On a fait refaire venir Tatiana à Paris il y a 2 ans. Elle a écrit son livre aux éditions des femmes, qui sont nos partenaires avec Stand Speak Rise Up. Son livre a marché très très bien, donc elle est devenue écrivaine en plus d'être entrepreneuse. Et aujourd'hui, quand Tatiana vient, elle est là cette semaine, elle va intervenir dans les médias, elle va intervenir dans les fondations privées.
pour expliquer, quand vous entendez aujourd'hui Tatiana parler de ce voyage au Luxembourg, des voyages qui ont suivi, de son livre, de Let the Stand Speak Rise Up et de son rôle d'ambassadrice, Tatiana est capable aujourd'hui, tout en étant avec nous pendant la semaine l'année dernière où elle était venue à Biarritz où nous faisions à nouveau les rencontres de Stand Speak Rise Up, parce que pour la petite histoire, régulièrement, chaque année, nous faisons des rencontres de Stand Speak Rise Up pour rappeler au monde entier où on en est, et vous y tenez beaucoup. Pourquoi vous voulez qu'on rassemble tout le monde chaque année pour parler ? Justement pour que la thématique ne retombe pas, pour la garder vivante, présente, et pour faire un état des lieux. Et que les gouvernements nous entendent aussi à chaque fois. Aussi, et surtout, j'aimerais rajouter à ce que vous disiez, Chekeba, vous raconter, terminer avec une, si on a encore un instant, une histoire qui a été extrêmement touchante pour moi pendant le forum. Les 50 survivantes qui étaient venues avant le forum, je ne les connaissais pas encore. J'ai été les visiter une après-midi entière pour me présenter à elles. Elles ne comprenaient pas très bien qui j'étais ni ce que je faisais. Donc, j'ai un petit peu expliqué quelle était ma situation. Et j'ai essayé de leur dire que j'étais vraiment là pour elles et que ce forum était là pour elles. Et peu à peu, ces 50 femmes se sont levées. Et je vous raconte ça pour que vous vous rendiez compte combien il suffit de faire peu et la force qu'elles ont et ce qu'on reçoit en retour. L'une après l'autre, elles se sont levées. Et elles, qui n'arrivaient même pas à me regarder dans les yeux, comme Chekeba a dit, elles n'arrivaient pas à regarder une femme dans les yeux. Elles se sont levées l'une après l'autre et elles m'ont raconté leur histoire. Évidemment, j'étais partie pour être avec elles pendant 2 heures, je suis restée 5 heures. Et on a fini en train de pleurer dans les bras les unes des autres. Mais tout à coup, il y en a une qui a commencé à chanter. On s'est toutes arrêtées. On a toutes commencé à chanter. Il y en a d'autres qui ont sorti des instruments de musique et on a terminé en train de danser. Donc, c'est pour fêter la victoire des survivantes. Merci. Et alors, juste pour terminer sur Tatiana, effectivement, elle était là. Et aujourd'hui, Tatiana, elle est capable de prendre son téléphone et son email et d'appeler le gouvernement britannique qui fait un événement sur les questions de violence sexuelle pour dire « Comment ça, on n'est que 2 survivantes à être invitées à Londres, alors qu'une petite ONG comme Stand Speak Rise Up, quand ils font un événement, on est au moins 10 à venir. Et vous, vous nous invitez 2 représentantes et vous faites un entre-soi autour de notre sujet. » Donc voilà, ça c'est Tatiana aujourd'hui. Et nous avons besoin de vous toutes et vous tous pour que toutes les Tatiana, toutes celles qui ont subi tout ce que nous connaissons si bien, elles soient capables de se défendre, que ça n'existe plus bien évidemment, mais toutes qui ont déjà subi, qu'elles soient capables de comprendre que de ce côté de la planète, nous nous sentons aussi concernés de ce qui se passe en bas de chez nous, tout comme à quelques centaines de kilomètres ou très peu, ou à côté de nos portes. Donc aujourd'hui, le viol comme arme de guerre et le corps des femmes qui devient le champ de bataille ne devraient plus exister en 2023, mesdames et messieurs.